Maya, stop, ok? Calm down, Abdul. Please. Okay, Maya, stop being mean to Abdullah. Please. You cannot do that to my boy, man. T'as dormi la mi mais allons-y. Salut le Mali, salut la diaspora malienne. Malien, assalamu alaikum. Au bismillah, anou palmaké. Iba Boukoum, depuis Denver, Colorado. Salut! Papis Nyantao, Mohamed, il faut l'endo, ne fat roman. Kobe Chogodi, ça va? Au père, il faut l'endo, Pablo, fin fait bien. Pablo, ce que va? Voilà. Yeah. Tu sais, États-Unis, fin follow mi curiosité, quel est Pablo Escobar fera? Oui, quand t'as qu'à vivre qu'on a quoi. Mais t'as rien, y'en a rien sur trop cocktail, mon gars, nous boire café, jamais que la main. Il faut l'endo, Pablo. Salut. Vous savez, du coup, il faut l'endo. N'y a pas de rien à voir qu'on a. Qu'on a beau, à peine foulé, à base d'irer. Salut. Iba International, 24 heures sur 24. Suni clé au foulendo, malien be foulendo. Ma foule ba bela jele. Fem febe kene kono ni erla. Anga commentaire ou bloqué. Vous savez, yani nga ta yoro jambe ni yoro ni fo mo koyé. À partir d'aujourd'hui, les vidéos man négatifs du Burkina la Burkina Faso era yigin to fin de ebi. Wallahi de alay. Ne be yigin Burkina la, ni na Faso tu ye Burkina ebi. Ne tu me nyere, ngou me nyere fra. Parce que Mali kausa ni Burkina ebi. Oye nene nende ye Burkina ma. Donc Burkina be ou ka video man negatif nou nou. Ako an ou ka video chima tukuni. Je suis sorti la dan. Nya famu. Nye do jabi ntou man ka jabi. Ntara ka paji la gen. Nya so afle lente mokote kwa. Mokoto de do. Des gens de la rue la. Faut pas m'envoyer ça. Oube toko nyini de la. Oube fe ka nyini ni iba toko ye. Non. Salut. Ntake. Je réponds à tout le monde, sauf à un Burkinabé. Les négatifs. Il y a des gens positifs là-bas. Il y a des gens qui sont très bien au Burkina Faso. Mais ceux qui sortent là et puis parlent de Iba Boukoum là, ne m'envoyez pas leurs vidéos encore. Je ne veux plus. Ce n'est pas mon problème. Ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont incapables, ils n'arrivent pas à construire leur pays. Le Burkina est le pays le plus maudit aujourd'hui. Le pays le plus pauvre, le pays le plus incapable. Bako Benson, quand il a tant perdu Burkina, non, frère. C'est Iba qui te dit ça. Iba qui a tant perdu, il y a Burkina Bé ou qui a présent, qui a sorti de Iko Fagara. Non, 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 Mangoro Ferré là, ce n'est pas un président. Wallah, Asimi Kausanae. Allez, le tara Asimi Fee. Asimi Mata le Fee. Bako Benson, ni Roni, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Quand il a tant perdu, Nair. Ou à Dusukase Mimbi Faga, ou bien aller, quand a pressé. A forawe en kawe fila malikola au bana au bana kaname ayo baudi ukaneni kaw faudi ukaneni
Mais tu n'es pas mon sujet. Je quitte ici. Ouais, je vais décortiquer Aïcha Kone sans jouer. Qu'est-ce qu'elle a dit? Jamais je le ferai. Ya, Aïcha Kone, je vais pas jouer la voix de Aïcha Kone dans mon direct ici. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai pas pu dormir. On m'appelle partout. Iba était dehors. Il y avait quoi? C'était mon jeune frère. C'était mon frère. Ladji. C'était Ladji qui était en direct. Le Ladji de Côte d'Ivoire. Ah ben Ladji. Non. Ikelento, mon robe tient fait na et nié. A tri kumbe bo quoi. Aïcha Kone avec le courant. Une femme. Une prostituée. Une femme pourrie. Aïcha Kone, tu as osé faire ça. Maintenant, Likama, ne t'en fais pas, j'arrive. J'ai des choses à faire. Il y a Amina que je dois changer. Je vous en prie. C'est pas bien, monsieur un chef de famille, c'est obligé. Mais vous voulez mettre Amina à changer maintenant ça. Salut, salut encore. Je ne voulais plus jamais parler à Aïcha Kone. Mais je veux qu'elle sache une chose. Alpha Blondie a échoué en ça. Alpha Blondie a été le premier à supporter Kémi Séba en Côte d'Ivoire. Ce qui a fait mal à tous les Africains. À tous ceux qui appellent Kémi Séba Africain, pan-africain. Alpha Blondie a échoué en ça. Mais Aïcha Kone, toi, tu es connu pour une chose. Ta participation à la tuerie des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est ça que tu as oublié. Lorsque Laurent Gbagbo était en train de tuer les Ivoiriens et les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, la force de la Côte d'Ivoire, l'allure de la Côte d'Ivoire,
c'est les étrangers qui vivent sur le sol ivoirien. C'est ça qui fait la force de la Côte d'Ivoire. C'est ça, tu sais pas, Laurent Gbagbo. Mais tu as tué les étrangers. Tu as fait tuer des Ivoiriens. Et Aïcha Kone a amplifié ça. Aïcha Kone. Il ne fallait pas répondre à Iba Boukoum. Il ne fallait pas. Aujourd'hui, tu as vu que Iba Boukoum est plus populaire que toi en Côte d'Ivoire. Tu as vu ça? Mais je vais ajouter quelques éléments seulement. Et puis je vais m'effacer d'ici. Je vais parler d'autre chose, du Mali. Concernant le Mali. Surtout la sortie de Bouboula et de Abidjan. C'est fait divers, hein, mais je vais en parler un peu parce que je suis obligé. Yeah. Même si je vais aller en retard au boulot, je le ferai. Aïcha Kone, tu as échoué. Et tu vas continuer à échouer. Tu as fini mal, tu vas continuer à finir mal. Jusqu'à ton dernier jour. Wallahi de Allah. Aïcha Kone, elle avant tout au Mali. Amaï. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il voit un bébé naï. À tes mains. Vraiment, je salue Ladji ici. Ladji Chérif, salut à toi. Ko Ladji m'apprête à Bora. Nya est au commentaire ou là. Et lui-même, quand je l'ai appelé, c'est ça où on a parlé. Lui, c'est mon frère. C'est mon jeune frère. Et le Zoulou de Bogota, plus Ladji Chérif. Et puis. Le grand Johnny Pacheco. C'est des gens auxquels j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour ces trois-là de la Côte d'Ivoire. Sans compter les autres, mes sœurs sont là en bas. RHDP Moussouba Obé. Je ne vais pas me mettre à parler de tout le monde. Mais Ladji Chérif, lui et moi, c'est une longue histoire. L'histoire des 49 soldats ivoiriens. Je sais par quel chemin on est passé. Et aujourd'hui, il s'est réveillé. Il a vu qu'Aïcha Kone est en train de parler de moi. Avec le Coran à la main. Elle aurait dû prendre la Bible. Elle aurait dû prendre la Bible. Parce que le Coran peut te bannir. Le Coran n'est... La Bible ne dit rien. La Bible pardonne beaucoup. Mais le Coran ne pardonne pas. Parce que c'est les dernières paroles de Dieu à l'adresse des êtres humains. À travers notre prophète, le Saint Mohammed. Paix et salut sur son âme. Donc le Coran n'est pas de la merde. Ça marche pour certains. Et pour certains, ça ne marche pas. On a vu toutes sortes de malfrats qui sortent ici avec le Coran. Ils viennent s'asseoir, ils parlent de n'importe quoi. Ils bavardent avec le Coran à la main. Récemment, on a vu quelqu'un du Mali est sorti avec le Coran. Il a essayé de salir, ou bien d'anéantir, ou bien de finir Iba Boukoum avec le Coran à la main. Mais c'est lui qui est fini. Aujourd'hui, il ne fait plus de vidéos. Mais s'il sort faire des vidéos, je vais lui répondre. Je jure. Il ne peut pas. Mais Aïcha Kone, toi, tu es tombé dans une erreur très grave. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas répondre à Iba Boukoum. Après tout ce temps-là, moi je me bats pour l'Afrique. En réalité, mais je ne suis pas panafricain. Je ne le serai jamais. Je ne serai jamais comme ces gens-là. Ces maudits qui se font appeler panafricains. Je ne le ferai jamais. Ils se cherchent de l'argent. Ils cherchent de l'argent. Ils ne veulent pas détruire leur pays. Le Cameroun. Et le Bénin, ils ne vont jamais détruire ces deux pays-là. C'est panafricains qui ont pu avoir le cœur du maudit putschiste du Mali, Assimi Goïta, et puis sa jeunesse, Ben le cerveau. Ils sont tombés dans le piège de Kémi Séba. Moi, Iba, je ne vais jamais aller dans ce sens, parce que j'aime mon pays, j'ai l'amour de l'Afrique. J'aime le Mali, par conséquent, toute l'Afrique. C'est ce que vous n'avez pas compris. On t'appelait star, Aïcha Kone. On appelait Alpha Blondy star. Mais depuis le jour où ils se sont retournés contre Alassane Dramane Ouattara, Ado, les Prado, ces jours-là, on a vu qu'ils vont mal finir. C'est prédit. Et c'est ça qui va arriver. Alpha Blondy et Aïcha Kone vont mourir comme des chiens. On verra. Ils vont les honorer. S'ils ont la chance que ça se passe sous le régime de Prado, à
Ado, Alassane Dramane Ouattara, peut-être qu'ils seront honorés. Mais si ça se passe sous le régime de quelqu'un d'autre, même un successeur positif de Ado, je ne pense pas si on va perdre notre temps sur des cadavres de riz comme ça qui ont fait tuer des Ivoiriens, des Africains. Je déteste lorsqu'ils font ça, réellement. Mais Aïcha Kone, moi, Iba, moi je vais te dire ça, hein. Toi et Alpha Blondie, wallahi, qu'est-ce que vous avez fait là, à la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens vont se souvenir de ça toute leur vie. Au moment où on cherche à réconcilier le peuple de la Côte d'Ivoire, au moment où on voulait éviter le sang versé en Côte d'Ivoire, au moment où on voulait la paix, au moment où la Côte d'Ivoire avait besoin de la reconstruction, parce que la Côte d'Ivoire est la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne voulons pas ça en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu as amplifié les tueries de Laurent Gbagbo lorsqu'il avait son escadron de la mort là. Aïcha Kone, n'oublie pas, hein, tu as joué un grand rôle. Les Ivoiriens ne vont jamais oublier. Tout simplement, tu viens de le dire dans qu'est-ce que tu as dit à l'adresse de Iba Boukoum le jour où tu as pris le Coran et que tu parlais là. Tu essayais de convaincre le monde entier que tu n'as pas été baisé par Laurent Gbagbo. Tu as dit toi-même. C'est ça, tu as oublié. Il ne fallait même pas t'attaquer à moi d'abord. Il ne fallait même pas sortir avec le Coran. Parce que le Coran va te faire dire des choses que tu ne dois pas dire. Le monde entier va voir la vérité. Tu es arrivé à dire, au cours de cette sortie-là, que Laurent Gbagbo est ton cousin. Tu as expliqué. Tu l'as dit. Et parce qu'il est ton cousin, toute la nation qui t'a supporté depuis ton jeune âge, toute la nation ivoirienne qui était là pour toi, au moment où Laurent Gbagbo ne te regardait pas, tu es sa sœur, c'est vrai, peut-être. Il paraît que vos grand-mères sont des jumelles, ça fait rire. Parce que c'est des deux buts là qui ont fait que ce pays-là est aujourd'hui là où il est. Laurent Gbagbo, Aïcha Kone, c'est un duo maléfique, c'est un duo satanique. Pour la Côte d'Ivoire, tu as échoué. Il fallait pas nous dire que Laurent Gbagbo est ton cousin pendant que toute la Côte d'Ivoire t'a supporté beaucoup plus que Laurent Gbagbo l'a jamais fait. S'il t'a pas baisé, et alors qu'est-ce qu'il te donnait au palais présidentiel lorsqu'il te faisait amplifier sa machine de tuerie contre les fils de la Côte d'Ivoire? Aïcha Kone, où tu étais? Qu'est-ce que tu faisais pour lui? Est-ce que tu peux le dire aux Ivoiriens? Tu es sorti te justifier par rapport aux hommes qui t'ont baisé. Nous, on ne va jamais croire ça, à ta version. On s'en fout de ça. Que tu sois baisé ou pas par Bonkana ou qui que ce soit, ce n'est pas notre problème. Leur temps est passé. Bonkana est honoré. Il n'a jamais fait quelque chose comme tu es en train de faire là. Bonkana n'a jamais fait ça, tous les autres d'ailleurs. Mais on t'a reproché d'avoir participé à la tuerie de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire au temps de Laurent Gbagbo. On t'a accusé de ça. On t'a accusé d'avoir participé au massacre contre un seul journaliste au Burkina Faso, Norbert Zongo. On ne l'a pas oublié. Hein? On ne va jamais oublier Aïcha Kone. Nous savons l'histoire de la mallette remplie d'argent. C'est l'argent qui t'intéresse. La bénédiction de ta mère ne va jamais te suivre. Parce que Dieu sait que tu allais tromper et trahir le peuple de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui t'ont aimé à travers l'Afrique sont déçus en majorité. Sauf ceux qui supportent les militaires au pouvoir. Moi, je ne le fais pas. Je ne le ferai jamais. Je ne vais jamais supporter un militaire au pouvoir. Je connais. Donc, dis-nous, où est ta bénédiction? C'est contre moi, tu veux sortir? Mais toute la Côte d'Ivoire m'a appelé. Quand j'ai dit que j'ai pitié de toi, je ne veux pas te faire du mal. C'est toute la Côte d'Ivoire qui m'a appelé. Et ça m'a fait penser une chose. Tu es vraiment détesté dans ton pays, là où tu es. Je ne sais pas si c'est Marcory ou c'est Cocody ou c'est quoi. Personne ne t'aime à Abidjan aujourd'hui, en Côte d'Ivoire en général. Ceux qui t'aiment, uniquement ceux qui n'aiment pas leur pays, ceux qui n'aiment pas Ado, et ceux qui aiment Laurent Gbagbo, ça s'arrête là. Aïcha Kone. Mais nous, on va supporter Prado. On va le soulever. On va le glorifier. Parce qu'il est exemplaire. C'est pas parce que Nana Ofwet Boigny, il est le père de l'indépendance, qu'il a fait plus
à la Côte d'Ivoire que Ado. Non. Ado même ne va pas, il va pas nous encourager à dire des choses comme ça. Mais nous, on va le dire, c'est la vérité. Wallahi, Dieu est témoin. Ado est l'unique en Afrique de l'Ouest. Il est le seul en Côte d'Ivoire, le seul président qui a vraiment supporté tout et qui a tout encaissé. Ce qu'il a encaissé, Nana Boigny n'a pas encaissé ça. Il n'y a pas eu de coup comme ça contre Nana Ofé Boigny. Il n'y en a pas eu. On a déterré la maman de Ado. On a fait tuer des Ivoiriens. On a menti sur lui. On l'a insulté. Après des longues études, de très longues études, pour supporter son pays, pour donner ce qu'il a dans le sang, dans les veines à son pays. Vous lui avez reproché même d'être Burkinabé. S'il était Burkinabé, c'est le Burkina qu'il allait servir. Si c'était le Burkina qu'il était en train de servir aujourd'hui, la Côte d'Ivoire serait dans le chaos. Parce qu'il n'y a pas un président comme lui. Il n'y a pas eu un président comme lui. Si vous n'êtes pas dans le chaos aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est parce que Ado, le Prado, le vrai, son Excellence Alassane Dramane Ouattara est en vie et il est au contrôle. Il est en train de gérer ce pays. C'est lui qui commande. Il conduit très bien la Côte d'Ivoire. Remerciez Dieu pour ça. Ce n'est pas des commentaires fictifs. C'est la vérité. C'est une réalité qu'on ne peut pas cacher. Vous connaissez la valeur de son, de ce qui le suit aujourd'hui, qu'on appelle RHDP. Vous savez la valeur de RHDP. Comparez RHDP à qu'est-ce qui le fantôme. Comment on appelle son nom même? Les zombies là. Babo. Comparez RHDP à tout ce que Babo a touché en Côte d'Ivoire. Comparez RHDP à ça. Mais je ne veux pas rentrer dans la lutte politique. Je veux juste être un vrai fils de l'Afrique. Quelqu'un qui veut le bien-être de l'Afrique. Supporte la capitale de l'Afrique de l'Ouest, qui est la Côte d'Ivoire. Par méchanceté, par jalousie, par malhonnêteté, par ingratitude, les gens s'attaquent. Les Ivoiriens, certains Ivoiriens même, s'attaquent. Pas seulement à Ado, mais à la Côte d'Ivoire. Pour essayer de dénigrer Ado, ça c'est impossible. C'est déjà signé, calculé et donné la réponse à tous les humains par Dieu. Ado est celui qui est l'exemple pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas enlever ça à Japonais. Si tu n'étais pas une pute, si tu n'étais pas une femme qui a encaissé des kills dans son vagin qui ne sont pas son mari, si tu étais une femme propre, si tu n'avais pas jeté la honte sur la mémoire de ton grand frère Abdoulaye Koné, qui aujourd'hui est sous la terre, lui, tu sais pertinemment qu'est-ce qu'il a fait. Parce que c'est un feuilleton désormais qui commence contre toi, Aïcha Koné. Wallah, je ne vais pas te pardonner. Qu'est-ce que j'ai entendu des Ivoiriens aujourd'hui? Je ne vais pas te laisser vivre. Puisque tu dis que moi, Iba, j'ai violé une fille de 9 ans, Dieu est mon témoin, je ne vais jamais jurer sur le Coran. Mais je vais te dire, qu'est-ce que Abdoulaye Koné, ton grand frère qui est décédé il y a 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait aux filles? Les femmes m'ont appelé. Les femmes de la Côte d'Ivoire m'ont appelé. Elles m'ont dit, qui est ton grand frère que je ne connaissais pas? Les garçons, les papas ou les mamans des garçons m'ont appelé pour me dire, qui est ton fils? Chaga. Chaga. Tu sais qu'est-ce que Chaga veut dire en espagnol? Chaga, Chaga, c'est baiser. Renseigne-toi. Ton fils qui s'appelle Chagala, ce Chagala, c'est un pédophile. Donc c'est un feuilleton qui commence, je viens avec ces deux-là. Avant de continuer avec eux, éventuellement je vais te parler. Je vais continuer sur ce que je suis en train de dire. À chaque fois, tu vas écouter Iba. Je te le jure, tu ne peux pas me détruire, tu ne peux pas. C'est au contraire, tu as préparé ta fin. Toi et Laurent Gbagbo, vous vous êtes associés en tant que cousins et cousines, pas pour baiser peut-être, mais pour faire tuer les Ivoiriens. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a personne qui peut supporter Laurent Gbagbo à fond? Surtout contre moi, Iba, qui n'est pas Ivoirien. Il n'y en aura jamais, Aïcha Koné. Les gens sont venus m'implorer de te piétiner, je ne le ferai pas. Je ne veux pas adresser, je ne veux pas te faire des insultes, des insolences, je ne le ferai pas. Je vais juste te dire que l'Afrique est réveillée et que nous voulons notre continent propre, géré par des civils au pouvoir, des présidents comme Alassane Dramane Ouattara. Un exemple, le dernier exemple
Si on échoue avec Alassane Draman Ouattara, toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest là va échouer. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, la Guinée, tous ces pays-là, le Ghana, ils vont tous échouer. Abdou Niang l'a dit, je viens vers lui tout à l'heure après ça. Il l'a dit, il sait. C'est un menteur qualifié, c'est un borne, c'est un malade mental, c'est un assoiffé de public sur Facebook, c'est un chercheur de buzz. C'est son plaisir que moi je parle de lui pour qu'il soit connu sur Facebook davantage. Parce que moi je suis venu avec un autre rang ici, incalculable. Personne ne peut calculer les limites de Iba Bokoum. Personne. Je permettrai à personne d'essayer même de m'arrêter, à plus faire raison de m'arrêter. Je vais vous combattre, vous tous. Donc Aïcha Koné, c'est pas que les vidéos, c'est pas que le Coran ou la Bible que tu peux tenir et venir me confronter. Ça ne se passera pas. Tu vas entendre ces vérités-là. Qu'est-ce que pensent les Ivoiriens sur toi? Ils ont dit qu'ils sont fatigués de la haine que vous portez dans vos cœurs contre Alassane Draman Ouattara, qui ne sert que pas la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique. Nous, on ne le permettra pas non plus. Ce n'est pas Laurent Gbagbo que vous allez glorifier. Encore, on a vu son passage. Je ne veux pas me répéter, mais c'est pédagogique souvent, il faut répéter. Qu'est-ce qu'on a dit? La répétition est pédagogique. C'est les intellectuels qui le disent. Moi, je n'ai pas étudié beaucoup, hein. Non, j'ai été anéanti scolairement très loin d'avoir le bac ou quelque chose comme ça. Moi, je ne peux pas parler du bac. Je n'ai pas été dans une classe de bac. Donc, je n'ai pas étudié assez. Mais grâce à l'intelligence naturelle, grâce à ce que Dieu a voulu que je sois aujourd'hui, je peux parler dans la langue qui vous influence, la langue qui vous fait sortir, détruire votre pays. Le français. Je parle le français en tant qu'une langue, pas en tant qu'intellectuel. Quand je mets des incorrections ou bien des fautes, ça c'est pas mon problème, je m'en fiche. Mais Aïcha Koné, l'Afrique ne va jamais s'ajouter à un mama satanique, à un mama maudite, pour maudire un président d'honneur, un président que Dieu lui-même a soulevé, qu'un être humain ne peut pas faire descendre. C'est ce que je disais. Alassane Draman Ouattara n'est pas celui que vous pouvez faire descendre. Parce que c'est Dieu qui a voulu que Alassane Draman Ouattara surmonte les épreuves que nulle personne en Afrique n'a jamais surmonté. Personne. On a vu qu'on a frappé des présidents dans leur palais. On a brûlé les présidents vifs. On a déchiqueté les présidents. Mais on n'a jamais déterré la maman d'un président. On ne l'a jamais fait. On n'a jamais attaqué un cimetière d'une maman, d'un président. On ne l'a jamais fait. Jamais. Et que ce président réussisse à stabiliser le pays, à calmer le pays, à pardonner les fils du pays et à reconstruire le pays. Et en train de réconcilier les fils du pays. Les enfants qui l'insultaient se sont alignés derrière lui. Ça, c'est le seul, l'unique. Alassane Draman Ouattara, son excellence. Le président de l'Afrique de l'Ouest, pas de la Côte d'Ivoire. Maintenant, la Côte d'Ivoire est devenue trop petite par rapport à ça. Mais les Ivoiriens peuvent se taper la poitrine qu'un Messie est né sur leur terre pour bénir notre continent, l'Afrique. Le commerce triangulaire n'était pas pour rien. Ce n'était pas une méchanceté. C'était pour servir l'humanité. Ça a servi. On a les Américains noirs, les Afro aujourd'hui africains. On a l'Afrique qui s'envole vers les États-Unis. Voilà un exemple. Moi-même, j'ai réussi et j'ai compris. J'ai calculé beaucoup de choses et j'ai donné ma réponse. Tout le monde a compris. En tant qu'un demi-lettré, Iba Bokoum, je règne sur vous à cause de la vérité. L'Afrique ne va jamais s'éteindre. Ce n'est pas les maudits, les fils maudits, les bâtards comme les Kémy Séba, les Franklin Yamsi et les Nathalie Yams qui vont à travers leur langue satanique intoxiquer toute l'Afrique. C'est impossible. Nous, on est là. Les vraies stars se sont éteintes.
Les vraies stars de l'Afrique se sont éteintes. Alpha Blondy, Aïcha Koné. Pour l'argent, pour l'allure, pour l'autoglorification, pour la démagogie, tout ce qu'on peut appeler. Mais vous ne pouvez pas éteindre le soleil qui brille sur l'Afrique à travers la Côte d'Ivoire par la personne de Ado Aïcha Koné. Tout ça, c'est à cause de Ado, pas moi. Moi, je ne suis rien. Je suis quelqu'un qui était amoureux de toi réellement. Moi, je regardais tes photos. Je sentais du plaisir dans tes yeux, dans ta langue, dans ta voix. Quand tu chantes, ça m'envahissait. Mais aujourd'hui, je te hais. Je ne t'aime pas. À cause de la haine que tu as portée pour le peuple de l'Afrique, pour tous les peuples de l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, contre la Côte d'Ivoire même. Tu es allé très loin, Aïcha Koné. Tu as été très mauvaise. Je n'allais pas parler de cette façon si l'Hadji Chérif n'était pas sorti. Parce que j'ai eu pitié de toi hier. Je sentais un peu d'amour pour toi encore. Mais aujourd'hui, c'est presque la haine. Hein. Tu peux ressortir. Je vais te déchiqueter. C'est pas toi. C'est pas Laurent Gbagbo. Ni les partisans de Laurent Gbagbo qui vont détruire l'Afrique en pénétrant la ligne rouge de Alassane Dramane Ouattara. Non, nous sommes là. Pas seulement nés en Afrique, hein, mais tous les enfants qui sont nés en dehors même de l'Afrique, qui connaissent l'histoire de l'Afrique, vont supporter Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui. Il est le seul, il est l'unique. Et toi, tu es sorti avec un courant pour te justifier. Pendant que Norbert Zongo est sous la terre, par ta faute, parce que tu baisais le frère de Blaise Compaoré. Aïcha Koné, tu as fait beaucoup en Afrique. Hein. Ce que tu as fait en Guinée, on ne va pas parler de ça. Mais je veux que l'Afrique sache seulement qu'on ne dort pas. La lutte est très vaste, est très immense, est très forte. On ne peut pas être nous-mêmes souvent. On est obligé de se mettre dans la peau du Satan pour combattre le Satan. C'est ce que Dieu a dit. Il faut combattre la terreur par la terreur. Il y a des gens au Mali qui ferment les yeux quand Iba insulte. Ne prenez pas les insultes de Iba. Iba est invincible. Je vais mourir au cours de cette lutte-là, vous allez voir. Je jure, wallahi, je vais mourir. Et cette lutte-là va continuer. Il y aura d'autres qui vont porter le flambeau. Notre espoir, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que le président Ado. Non, c'est parce que la Côte d'Ivoire a toujours contenu tous les Africains. La Côte d'Ivoire a réussi tous les Africains. Que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique occidentale, de l'Afrique centrale, de l'Afrique... Iwan Banana. Ah, Amina. Amina Iwan Banana, Kabena Massafé. C'est pour cette raison que moi je suis dans cette lutte. Moi je ne vois pas la Côte d'Ivoire. Si c'était seulement à cause de son président, je n'allais pas perdre mon temps à mener de cette lutte-là. C'est pas que les Maliens, les ressortissants maliens qui vivent sur le sol ivoirien. Iwan Banana. Il n'y a pas que ça, hein. C'est toute l'Afrique qui se retrouve dans le cœur de la Côte d'Ivoire. À point qu'on va dire qu'il n'y a pas d'Ivoirien. Quand on parle du commerce triangulaire, là, au moment de l'esclavage, Dieu n'a rien fait pour rien. Il a tout tracé, tout est calculé. Maintenant, c'est à partir de la technologie qu'on se rend compte que Dieu est réel. Le commerce triangulaire, il faut voir le rôle joué par la Côte d'Ivoire. Là, tu vas comprendre. Avant l'arrivée même des explorateurs, la Côte d'Ivoire était le sommet de cette rencontre des Africains. Désespérés, désorientés, égarés, affamés. C'était la Côte d'Ivoire leur destination quand il s'agit de notre sous-région. Nous, on nous parle d'Afrique du Sud. Non, moi je parle de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à cause du président actuel, mais il est ce qu'on appelle indicatif par rapport à tout ça. C'est ce que vous, les ignorants qui avez étudié toute votre vie, vous n'avez pas pu comprendre. Essayez de sauver ce petit pays-là, une petite terre, mais bénie par Dieu lui-même. Vous avez oublié l'Israël, la terre bénie, c'est la terre la plus petite.
mais c'est la tête la plus bénie. La Côte d'Ivoire est pareille pour l'Afrique. Toute l'Afrique, tout le continent. Vous allez voir, dans le futur, après nous, c'est la Côte d'Ivoire qui va prendre la direction, la destinée de toute l'Afrique. Personne ne peut se taper de sa poitrine de l'ivoirienneté. Non. Quand on persiste, on va trouver que ton arrière-grand-père est ghanéen, burkinabé, malien, sénégalais, guinéen. C'est ça la Côte d'Ivoire. L'ivoire là que vous entendez là, les dents d'éléphant là, pour être plus clair, je vais vous le dire. C'est une richesse de la terre. Dieu ne donne pas à tout le monde. À travers un animal qui est le plus grand de tous les animaux de la planète, ceux qui vivent dans l'eau et ceux qui vivent sur la terre. La Côte d'Ivoire n'est pas un hasard. C'est un fait, c'est un état, c'est un pays créé par Dieu, pour qu'on comprenne. Donc, les fruits là, c'est pour toute l'Afrique et toute l'humanité. Et toi, Isha Kone, une ancienne pute des années passées là, tu veux venir attaquer notre montée pour sauver notre continent? Tu peux pas, hein? Va te mettre contre Alassane Dramane Ouattara. Va t'arranger du côté de Laurent Gbagbo. Et on va voir, 2025 arrive. On verra les résultats. Mais ne comptez pas sur la violence pour s'installer au pouvoir. Ça, c'est impossible. C'est pourquoi on va détruire les putschistes du Niger. On va s'installer. Ils ont fêté leur un mois, on a vu. Mais il y aura un échec de leur côté. Parce que c'est Dieu qui... Vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Aïcha Kone, j'ai pas trop ce soir, en plus de tout ça là. Je crois que c'est pédagogique, je crois que les gens ont compris quelque chose là-dedans, d'où je vais venir. À la fin, je dirai au monde entier que toi, Aïcha Kone, tu es réellement une pute. De ta mère jusqu'à tes petits-enfants. Désormais, c'est la honte. Toi, tu sais très bien que le monde entier ne sait pas qui est ton petit et tes petits-enfants aujourd'hui. Tu le sais très bien. Mais moi, j'ai tous les dossiers aujourd'hui contre toi. Mais c'est un feuilleton qui commence à chaponner. Chaque fois que je sors, je vais te frapper, je vais te fouetter. Va sortir avec le Coran. Please, s'il te plaît. Il faut jurer devant le monde entier que tu n'as jamais été une pute. C'est ça qu'on veut entendre. Que tu n'as rien à voir avec la mort de Norbert Zango. Zango de Burkina Faso. On veut que tu sortes avec ça. J'ai pas besoin que tu me dises que tu n'as jamais baisé Bonkana Maïga. Que Bonkana, mon père, m'excuse pour ça. Moi, j'ai connu Bonkana avant toi. Parce que moi, j'ai vu le Las Marabias, leur retour du Cuba pour le Mali. Lorsqu'il ne sait même pas qu'il allait terminer sa vie en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu Bonkana avant toi. Je l'ai connu avant toi. Je l'ai vu chanter avant toi et japonais, même si tu es plus âgé que moi. J'ai été un des fans de Bonkana Maïga avant qu'il ne sache même qu'il allait terminer en Côte d'Ivoire. Ni Bonkana, ni Nayan Kabel, ni qui que ce soit. Moi, je les ai connus avant toi. Tchalamwana a fait son carrière. Elle a fait sa vie, elle est partie. Elle n'est pas passée par le chemin dont toi tu es déçu à cause d'un cousin satanique, Laurent Gbagbo. Un homme fini, un hibou, un malade mental, un vaurien, un abruti, un vaurien du tout. Laurent Gbagbo. C'est à cause de ça que tu as détruit la fin de tes carrières là. Ok, Aïcha Kone, je vais te quitter ici. Je vais aller vers Abdou Nyang. D'ici là, je vais m'occuper de mes enfants. Écoutez. Ah, la bankasi. Here, I don't want it. Nebe la bankasi. Come on, let me go check. Manika woga, wolo bandani nye.
Aisha Kone Soro, Laban Kojugu, ale damne nani vedetia e staria, ka togo soro, me a laban togo file bi ambe nye koro, meta ka bo Aisha Kone ka paji kono. Male an bi, au salam alaikum, au bismillah. Akadi Abdul Nyang nunu ye bi, ngu togo fo, purke uka lame doni, paske lame rotu la, lame chukote, kuna funite, a soro la mounfe, u ka sirabla. Ni ka sirabla ka tugu transition ko, Ateta orojan ijo robena e jamana jola be ko jamana jote ibe warde minena sisan ka kuma doron fente boyda mimbe jamana deun nafa ibate galona koy malien bebe na me chien de do wallahi de allah transition de melikama machama dambe bora la bi machama tobe katunu machama me ka bi kuma ke machama bulu ni abdu nyang kuma na kuma ta da tuguni batara kanfo mana mana kanfo doron kuma fanga mate Mali mago be mina bi ko be ka bo Abdul Nyang na nyoko na uda ate ambe u ye min kerula akelen ta koy u chama le ro kuma ro tu bolo bi parce que kuma bana aw nyebe ben le cerveau la bia aw nyebe fomba la ka kuma bia abena re justifier ni muye angan sigi ko kono kadaka dondo ni yele matara ka faveur la abese ka bo ka be kuma mais mi e chien no be la ban ni mamu nu fleni ankuna bi mali marala ubena bi fanga imbana taka yoro tula dalu werete ansegena munyuli la uye ablu nyang bora kakuma kono ibena ye bubula fleni uya ise kasomi jona me ile trop tard bubula mane jabi de me akake wale ufe mbado kabe kanere jabi neko mbefe akamibla abeka abla dondonde halbi atobe bubula nima se li rujuma nima buton ruji digi neti jabi halbi positivement halbi makla atoni be fitini be ibane no ko fene bla ibo fene bla kada ka awbe bi chien do awbe bado mi mai malima o de be ka ke awbe bado ko la nyini tu emi kunda la juta la aw emi na nyini ta fanta la akuman ka ke excusez-moi yi nga baraka ersira abdou nyang chansi bilare Je sais qu'il décortique à flemme. Mais comme il me colle en colonne de battre à mon de toute façon, à une vidéo une fenêtre pour que il va beaucoup me cailler à capoca décortiquer. Voilà sa attention dans le prêtre si à l'écran. Parce qu'à côté, quand elle était warning, elle était tournée, elle était non, il galoïe. C'est pas vrai. Amassé qu'au fond, mon homme nous t'est fallé au lieu de baisser qu'au fond, n'est pas le saut qu'au fond parce qu'elle m'a fallé. M'a de l'éca fallé. On t'en a fallé. Nti mako nti mabulo maka soni tembla ka boko mi demen galonka ni kelempe de we e abdul nyang etoy mami e son jamana muso bela ba sungurumba muso jamana muso bela nyamade muso mbé malien be kofe bi no e batul nyang yo e son e bora ko tanuya donc e ka kuma e manka boke be kuma malien nyana tugu nto meni décortique ki gushi ni batul nyang de me nga wakati sera 8 minutes Nega bararo R 15h Christina sera kaba fene be dala kaba mbajo ya me abdou nyang ibi bo choko donne ni be fene ki décortiquer akeni video ye minambi baneni ola ibe tokosoro meni sugula neti baneni ntifaneni
Mbaire la de bokun de tila parce que dambe tila parce que iye le mala yi da fale ye galonte ye nafiya ke ye fembe ke ye janfa ke fo ite e abdou nyang mamin ke mali on kai jomene la metuni anga mali ye le makuma sele ke bena ni kuma sugu fo anya ko mo yu chunga bo transition ka jonde yi chung masi ma chung abdou nyang masi ma chung ay awi redama ododo abou chung abek la ka yele abou chung abek la ka boli ka ta terrain kumbe ka yele aw ka janfa terrain jamana chi terrain malien janfali terrain mali joli balia terrain insécurité terrain insécurité alimentaire insécurité sanitaire abede be mali la ka sababu ke ni fanganye mi e dafrili ke kana ni expérience tout la tagaro tout la te fendo u jigu be ka kari dongo don ala be ka malien ka keleke Abdou Nyang, MC Kana Moune fo anye. MC Kana Moune fo anye. Mon père est en train de regarder. Sali, mon père. On est ensemble. Abdou Nyang, il y a un peu de temps. Il y a une vidéo vidéo qui est mi fani ban ennemi na ni mo ba la me. Ni ora ni amba fo malien bela jele. Ni soldat flana na na domi. Mi mené tan ronke. Ka boka direti ke ka soli fani baten ennemi. Me banen dabla ba dabla me abdou nyang me fankel ngon fié il reste 3 tu wa wara de té ibe jamani ni la tesro aw ka batuli ni aw ka asmi sikele no dabal banen no ibala muna ne nyokon taw bulu parce que ne nyokon té c'est ka kaw bulu ni ne nyokon kera bulu mali bi ci ni ne iba kumé aw transition mo ka côté la bi mali tu me ci ala ko kono nyon tike aw bulu ni barka ka bu jamana chima ni kausa jamana chilawe iba bu kumte jamana chi abdou nyang mo ko sima chunga bo ka tere ngono awere da maududu abou chu munu yu chunga na presi u be kla ka tayele u be ake yan kelengeleng se gutu ngara ya chun shien joli shogale re mi ba u nyema o ya chun shien joli ben le cerveau ya chun shien joli ngoni be kla la ka yele bu mabel ya chun chine jelo ma de lega yele re o chune no al sini yoro to ko te nyebera uni batara mo mu me yala yala la dubai taka segina parce que visa ni bu ka passeport kono wo be ka war soro jata o bulo ka nga jamana la kari o lu e ba bia o ru teru u be e ba bia o di iba te gele no bela be nu fie u ba bia o la mama be malichi la de me ye ba bia di kati 24 ye ba bia di iba de kote na ma be mi ma boy kana bi ba bia chi a quel intérêt Gandhi malien est babié de mon gros bar de menin nana yambi babié chi Kassim Traoré babié ni nana yambi babié chi et Abdou Nyang mon gros bar de men babé babié chi kelengele anga mon gros bebo jamana imbe yelama anga tana edron iba tabara ro pour le moment kambe mon gros nous veut kané attaquer au quel chuko kachane bulo ne ka paji betse kamine wa ne ka paji temine wa paji mine ni tatone bendade auka commentaire gansa ni yake ibaka bebo mbi babié chi commentaire garçon foni photo tika page kané mon nta e faux profil iba khasratou la wallahi ngasratou la bo burkina be fancy aw kana chima me burkina be nyuma ndo nuk mana mamu me burkina fe mbudo nuk mana u mancha munu ka chabi o e burkina chapolomina de nyama de lesoduna de nunune ne tolu jabitou aw kana foi chima mo aussi kana vidéo cinéma groupe benebolo vidéo kokama groupe spécial soldat pisano menebolo fenze beke Facebook ni TikTok ayi baba be kalama nega contact de be kanga inbox fa ka chien wamba fo paye à partir de d'aujourd'hui wallahi me jabili no ya wele wele li no aw la fien quoi a wele li be kuma kunta onda cité kuma nyena mai a cité ne ka baraka dra kono ne demba ya tigide wande bena ni direti josisa ka wuli kata bara rode katla ka franga liti politique ka nga jamana ye me beko kone ka le jabi ni mamin jabi olube kuma kunta on seven ka blanku ubie ube seven un ke ka fonyi ite ka kuma fe ubie ube vocal blanku imena iman jabi ntse ka be jabi a partir d'aujourd'hui ntse mo jabi ni mi jabi ya kana digela mausanie emi kuma na ne fe de ka usanne me wallahi ne tse ki jabi parce que yinyo na baduru o de bene wele kle kono minimum 5000 appels et messages dans mon téléphone par jour netese ay ameke anga bo minen kono ntse ka bejabi
wamali imbe jofine na ba fe nga barake kanya ay welel dabla wa message yere na ba se aya jo ni minga message te information munun te kibaru girima on dilama foka ngole kam fobie kam wale nyumando wallahi nya farima nklobila ne baton me kam minke avec am ko chama nafa ce n'est pas la peine encore pas temps perdu quoi. Mais mo min ko ka goye bi ni jien be o e burkina be o de akolo nkodo anyuman ko tere abatara mo ko munu be video ke la kube ibrahim traoré de me ole ko ka goné akonu ka video chima umana fe fe foma ne tu jabi parce que ne ka bonoué ne be ka min ke mfasoy nu ya nyoko ke burkina e burkina be kisi aw te sola ka bina iba de kele aw te ka burkina djugu kele aw ka burkina be josang me burkina de be bolla mali no fe mali te bolla burkina no fe burkina be ku nyesu ka burkina ma ku ka fara ibala aw ne te nyoko israela ne ni chapolo minata fo ne ni nyamugo denta fo sa mugo bela danga de ne no te kuma ne ni batara dente kuma burkina ko no tuma bana nte burkina be jabi nte video ke burkina be ka kada ko be ku ka jamana to binga ta fe fuar dende ka chai anyu mankela ka haketo activisti nyuma on kanto luma population civile ka ya fama burkina horo on kante auma munu meka burkina chinka mbollema allez salut.